Salut à tous les amis et bienvenue pour ce quatrième épisode de Panda Adventure. Je suis Trunks91 et on est sur la map The Geodown pour une petite intro en avance rapide. Et oui, j'avais dit que j'en ferais certainement pas et il faut que je trahisse ma parole tout de suite, évidemment. Alors en fait, pourquoi cette petite avance rapide? Pourquoi elle est commentée? Et pourquoi je me fais du mal? Non, je déconne. Alors en fait, voilà, je me suis dit que c'était un peu chiant de bûcheronner, de terraformer, tout ça, donc j'avais pas envie de passer 4 épisodes à faire ça. Donc je me suis dit, je vais faire ça hors caméra. Et puis au final, je me suis dit, ouais, mais il y en a, ils vont peut-être dire oui, mais ils cheatent, tout ça, il y en a qui aiment pas le hors caméra, donc. Bah, comment faire? Soit je fais du hors caméra, soit je fais des trucs super chiants pendant 5 épisodes. Bon, bah, je vais faire une avance rapide, écoutez. Mais au lieu de mettre une musique random comme je fais d'habitude, je me suis dit, je vais la commenter, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu élagué le terrain, pour pas dire que j'ai déforesté toute ma partie. Et j'ai terraformé au niveau des champs, comme vous pouvez le voir, pour que l'accès soit plus facile et pour pouvoir ensuite mettre des barrières que je ferai prochainement. Voilà, j'ai un peu tout terraformé. Après, j'ai mis des petits escaliers. Comme ça, pareil, l'accès il sera plus facile. Et je vais mettre la maison en fait juste en face des escaliers. Voilà, là je finis de reboucher le terrain pour pouvoir placer la maison. Excusez-moi. Et donc j'ai bien galéré franchement avec les racines, c'était mais super chiant parce qu'en fait c'était pas tellement le fait de couper les racines, mais c'est juste comme vous pouvez peut-être le voir, je sais pas si ça va trop vite ou pas, mais vu qu'en fait c'est des bûches les racines aussi, ça fait que quand il y avait des feuilles des autres arbres à côté, elles disparaissaient pas parce qu'elles étaient toujours collées aux bûches. Donc j'étais obligé de couper toutes les racines qui étaient devant, même celles que j'aurais bien voulu laisser, ou alors j'étais obligé d'enlever les feuilles. Alors ça c'était mais une purge totale quoi. Donc voilà, et juste après, donc voilà, bon là j'ai passé la nuit, ça on s'en fout un peu. J'ai fini de reboucher les trous qu'avaient les sales creepers, et j'ai posé un peu les bases de la maison que j'avais prévue, parce que comme ça c'est plus facile, après j'avais juste à la faire par-dessus, comme vous pouvez le constater. Et voilà, l'avance rapide est bientôt terminée, on se retrouve en jeu! Et nous revoilà en jeu! Enfin, en jeu, on était déjà en jeu avant, mais en mode ça va très 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 vite! Oui, comme je l'ai dit dans l'avance rapide, d'ailleurs j'ai oublié de couper cet arbre, attendez 2 secondes, je préférais faire ça, bon j'avais dit que je ferais certainement pas d'avance rapide, bon je l'ai fait quand même, mais parce que j'ai pas envie de faire du hors caméra, donc voilà, je préfère faire une petite avance rapide comme ça, commenter en début d'épisode, plutôt que du hors caméra pour qu'on me dise ouais il a cheaté, loli lol, bref. Donc tout ça pour vous montrer que j'ai pu commencer les fondations de ma maison. Voilà. Je vérifiais juste que mon portable était bien coupé. Et donc on va commencer tout de suite. J'ai oublié de faire un time day avant le début. C'est pas très grave. Je vais commencer tout de suite à poser les bases. Et je vais mourir. Ça compte mourir comme ça quand même. Là, je pousse des poutres. Aïe. Je crois que j'en ai mis une en trop partout. J'en ai mis une en trop partout. Pas une autre. Non, j'en ai mis une en trop juste ici. Et ici. J'y crois. Et donc là, non, elle est pas en trop. Il y en a même une en moins, je pense. 2, 3, 4. Donc là, en première partie d'épisode, je vais commencer, comme vous pouvez le voir, à m'occuper de la maison. Et ensuite, j'aimerais bien en deuxième partie d'épisode aller dans la caverne. La caverne où il y avait le coffre avec le fameux cube de diamant. Je compte pas y aller forcément très stuffé, hein, comme j'avais dit. Enfin, j'avais dit que je comptais y aller en ayant une armure, tout ça. Puis au final, je me suis dit que mieux valait y aller en mode what the fuck. J'ai peur de rien. Je vérifie que je suis bien en difficulté. Ouais, difficile. 2, 3, 4. Et que voilà, j'irai avec pas grand-chose, juste ma petite pioche en fer.
4. Je verrai si je peux pas neutraliser certains mob spawners. Je vais pas les casser parce que j'ai des objectifs. Il me semble que j'ai un objectif à piège à faire avec un mob spawner justement. C'est pas très pratique d'avoir la hache si loin. Donc si jamais l'avance rapide est allée un peu trop vite, je sais pas comment je vais faire encore. Parce que je l'ai pas encore monté. Comme vous pouvez le voir, j'ai terraformé ici et j'ai mis des petits escaliers pour descendre à mon champ. Et juste en face, ma maison. Excusez-moi. Et hop là, petite ellipse ni vue ni connue. Enfin, j'espère. Parce que, voilà, quelqu'un qui m'a appelé encore. Pourtant, j'ai prévenu, hein, je dis je tourne à l'avance, patati patata, mais... Faut quand même qu'on m'appelle. Mais c'est pas très grave. Alors comme je vous ai dit, la maison sera vraiment super simpliste. Hein. C'est un carré, quoi. Je vais pas faire d'étage ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie de passer non plus 4 ans à faire une maison ici. Ça sera comme ça sera. Mais bon, je vais quand même un peu l'aménager. Hein. Je vais pas tout bâcler. L'objectif, c'est faire une maison. Je fais une maison, je fais pas un cube en dirt avec rien dedans non plus. Pas se foutre de la gueule du monde. Bon, je fais un truc aussi passionnant qu'exaltant, c'est-à-dire que je pose des planches, personne n'a jamais fait ça. Oh là là, mais il maîtrise son art à la perfection, mon dieu! Tu n'as jamais vu une telle dextérité dans poudre de plantes! De plantes, oui. Les planches et les plantes en tes noix, t'as de dit pareil, tes plantes. Non, non, oh là là. Il maîtrise complètement tout qu'il fait. Encore heureux, parce que si je commence à pas maîtriser le posage de planches, j'ai un gros souci dans ma tête. Là, ça va être un mur plein parce qu'il va y avoir des coffres. Enfin, je pense. Mettre les coffres tout au fond. Et voilà, voilà. Vous allez voir si je peux pas récupérer de l'opsy pour me faire ma table d'enchant qui me serait franchement bien bien utile. Il n'y a pas de boulot dans cette forêt. Enfin, de boulot, je parle d'arbres, hein, je parle pas. J'ai pas envie de devenir bûcheron. Hein. À mi-temps dans la forêt. Et zut, j'ai oublié de faire le time day. Quel gros boulet. Ça fait que je vais devoir me taper la nuit. Bon. J'essaie d'aller le plus vite possible avant de me faire attaquer par divers monstres aussi. Aussi casse que possible. Je suis pas envie d'être vulgaire. Bon. Ouais, c'est moche. Je vais foutre des torches partout. J'en ai pas sur moi, non, bien sûr. Alors, des torches. Il me faut du charbon. Des sticks, j'en ai un petit peu. Ça ira pour le moment. 32 torches, c'est nickel. Je vais torcher aussi la zone. Je les enlèverai certainement après, hein, c'est juste... Le temps de construire. Ça pourra déjà limiter les apparitions. Alors. L'éternelle petite table de craft en tapis. Hop. Une porte. Je crois que j'ai pas de sable. Enfin, si, j'ai du sable, mais je crois que j'ai pas mis de sable à cuire, je veux dire. Parce que du sable... Non, non, j'ai pas de sable. J'ai creusé tout ça, mais j'ai pas de sable. Alors, 42, ça aurait suffi. Largement. Oh oui, largement. Youp. Oh, parce que franchement, de terraformer le terrain, de couper des arbres, j'ai pas envie de faire ça pendant 40 épisodes, donc je pensais que le faire d'une petite avance rapide commentée, ça pourrait être sympa, puis ça change de...
faire une avance rapide avec de la musique random. Voili valu. Par contre, ce qui m'a vraiment saoulé, c'était le coup des racines de l'arbre là, parce que en fait, c'est pas tellement de couper les racines, c'est qu'en fait, quand je voulais, il y en avait certaines, j'avais envie de les laisser, mais dès que je l'ai coupé, bah, il y avait pas forcément les feuilles qui disparaissaient, c'était assez laid. Donc voilà. Après, peut-être que je me répète de certains trucs de l'avance rapide, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas encore enregistré ma voix sur l'avance rapide, si vous voulez. Je suis en train de l'encoder et j'ai attaqué directement le tournage, donc j'espère que je vais pas répéter trop de trucs. Normalement, ça devrait aller, c'est à peu près ce que je vais dire, mais je fais un peu les choses à l'envers, vu que c'est la première fois que je fais une avance rapide commentée, surtout en intro. Ça me perturbe, enfin ça passe me perturbe, mais ça me chamboule un peu dans ce que je fais d'habitude. Mais je pensais que ça pouvait être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Me lancez pas des cubes plein la gueule. Hein. Même si vous aimez pas. Pas obligé de me flamer dans les commentaires. Enfin. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, faites-le. Hein. Tant pis pour moi. Hein. Écoutez. Alors, ce que je voulais faire, c'était délimiter ça comme ça. Et délimiter ça. Que je dise pas de bêtises comme ça, voilà, ça fera à peu près les pièces où il y aurait le côté cuisine salon, la chambre et là où il y aura tous les coffres, mais ça on aménagera plus tard. Pour le moment c'est les fondations, c'est suffisant comme ça. Voilà, j'ai largement assez de verre. Et peinard. Oh, le zonzon. Bonjour. Samouraï. Ah, c'est super joli le truc avec... je sais plus comment ça s'appelle. Non. Ah, Optifine qui fait entre autres qui me permet de zoomer et qui met plus de délimitation entre les carreaux. C'est vachement plus joli parce que c'est vrai que c'est assez chelou sinon. Mais je préfère quand même les vitres. Il y a un truc que j'aime pas, j'aime beaucoup le pack de texture de base, hein, moi personnellement il me déplaît pas. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est ce truc blanc là sur les vitres. J'aimerais bien qu'elles soient un peu plus lisses. Certains packs qui sont plus lisses que j'aime bien. D'ailleurs, je ferai peut-être certaines vidéos avec un villageois contaminé, d'accord. Je sais pas ce qu'il fout là, il y a un village PNJ, pas loin. Olé. Olé. Aïe. Ah, vas-y, donne-moi un CD, non. Putain, ils peuvent pas inverser leur position, là. Non. Ah, putain de merde. Oh, mais je voulais un CD. Je suis tout triste maintenant, je pourrais pas écouter la musique. Je répare ça maintenant. Je répare à l'arrache, hein. La map c'est déjà un gruyère. Moi je fais rien pour arranger ça. Mais Osef. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc sur ma maison. C'est pas... ça va pas être... je vais quand même mettre un truc dans les angles. Oui, elle est très très moche, hein. Je fais mieux que ça d'habitude, hein, je vous rassure. J'ai pas des constructions comme ça sur le serveur, mais... Eh, fuck. Mais bon, là... c'est plus une série de survie, donc... je me suis embêté à faire une belle maison dans Minecraft du corps, mais j'ai pas spécialement envie de passer 40 ans à faire ça ici. J'ai envie de vous montrer ce qu'il y a d'intéressant sur cette map, donc là c'est pas pareil, je joue sur une map aventure, c'est pas une map solo, donc c'est un truc, il y a des choses à découvrir, enfin il y a des choses à découvrir en solo sur une map normale aussi, mais là il y a des choses à découvrir qui ne sont pas là d'habitude, donc je vais pas passer 40 000 ans à faire une baraque.
C'est tout. Bon, c'est plutôt sympa quand même, hein. C'est pas... On a vu pire, hein. Oh, merde, le Cripolol, non. Putain de sa... Oh non. Oh non. Oh, bah, je verrai ça demain. Je vais pas réparer ça maintenant, ça va faire qu'aggraver les choses, il y en a un autre là-bas. La 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 la. Oui, un jour, je ferai une porte. Ou pas, ici. Puisque je vais déménager rapidement. Ouais, ça sera rien de... de consommer plus. Putain, par contre, j'aurais bien aimé récupérer le blé. Parce que j'ai pas de bouffe. Mais ça me fait chier encore une fois de passer la nuit. J'ai rien du tout comme bouffe là. Ouais non, j'ai que dalle quoi. C'est la dèche, j'ai juste des pommes. Ouais bah je... C'est en merde de prendre les pommes, je voulais faire des pommes en or après. Bon, je vais quand même passer à la nuit, c'est parce que j'ai pas fait de time day, franchement je suis vraiment bête. Je récupère mon blé. Et de suite après, je vais en caverne. Putain, il y a du creeper partout. Quoi. Pète pas sur mon champ, s'il te plaît. Non, 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 pas ma maison, pas... Non. Ma maison. Je viens tout de la faire. Il a tout cassé. Il est vilain, le creeper. Je le hais, lui et toute sa famille. Tu peux juste. Putain, j'ai carrément plus l'habitude des creepers qui explosent. Regardez-moi ce massacre. Je réparerai ça après parce que là... Je sais, il y en a qui sont pas bien poussés, mais je ramasse plus ou moins à l'arrache. Moi, tout ce que je veux, c'est un peu de pain. Ok, du pain. Tu veux du pain? Bah, t'auras que de la croûte, j'ai plus de mie. Pendant que vite fait tout ça. Je l'agrandirai plus tard en même temps que je réparerai tout ça. Et voilà. Je vais avoir un peu de bouffe. Et ça, c'est nickel. Alors, hop. Mes tables de craft. Ah, du pain. Oh oui. 12 pains. Bah, c'est parfait, ça. Je vais en prendre... ouais, 5... Ouais, 5. 5 pains. Ma pioche. Ma hache. Normalement, j'en ai pas besoin. Je la prends quand même. Ouais, du bois. Je vais en garder un peu sur moi. De quoi j'aurais besoin d'autre? L'épée en fer. Ah, putain, mon épée en fer, elle est presque morte. Prends une épée en cobble au cas où. Les torches, il m'en faut plus que ça. Le seau d'eau, ça, essentiel. De la bouse au cas où, le verre je prends pas. Je crois que c'est tout, ce me semble. Allez, c'est parti pour la caverne. Ouais, donc je pense bien que je vais désactiver les si j'y arrive, désactiver les mob spawners. Ça va me faire trop violer. Ah! Oh putain, ça commence bien. Oh la vache. Putain, il n'y avait pas autant de mobs la première fois. Aïe. Ah, putain, mais ils sont où les autres? Wow, calmos.
Putain, c'est bon, faut que je remonte. Je suis en train de crever, c'était pas du tout une bonne idée. Ah ! Mon Dieu ! Ouais, définitivement, il me faut vraiment une armure. Ah, merde ! Putain, pourtant, j'aimerais bien l'avoir, ce bloc de diams, quoi. Et ouais, j'ai 14 levels, en plus. Je vais me refaire une épée en fer. Je vais retenter le coup. Je vais retenter le coup. Mais avec quasiment rien sur moi, parce que là, je sens que je vais tout perdre. La pioche en fer, je suis obligé de la prendre. Et je vais me faire une... Non, je vais pas prendre une épée en fer. Tout compte fait, le saut, je vais le laisser là, parce que c'est super précieux. Enfin, super précieux. Voilà, quoi. Les torches, je vais en laisser là. Je vais déjà les faire maintenant, les pommes en or. Ça sera fait. Je sais plus comment on fait. C'est comme ça? Non, c'est comme ça. Ok, deux pommes en or. J'en garde une au cas où. Parce qu'à mon avis, je vais vraiment me faire violer. Voilà. Au pire, je perds deux pains, une pomme en or, une pioche. Pété aux trois quarts. Souhaitez-moi bonne chance, c'est pas par là. Si vraiment ça pop trop, je fais le je retourne en arrière. Il y a plein de minerais partout en plus. Le slime, je le veux. Ah! Putain, le creeper il m'a vu. Fuck. Pourquoi? Mais va mourir! Sérieux, il va pas me lâcher deux secondes là. Je sens, je me fais violer, c'est ça? Me dis pas que c'est des spawns à creeper. C'est pas possible. Ça se trouve, c'est que des spawners à chauve-souris, hein, mais bon. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Putain, je vais crever, quoi. La moindre erreur, et c'est fatal. Hein. Vas-y, pète le mob spawner, fais-toi plaisir, mon gars. Je peux pas te le reprocher. Je surveille mes arrières. Je pense que l'épisode va durer un peu plus longtemps que 20 minutes. Vu qu'il y a eu l'avance rapide, ce sera plus un épisode de... Ouais, je suppose 25 minutes, un truc comme ça. Et voilà, j'ai plus de torches. Ça, c'est la grosse blague. Oh, il y a du feu dessous. Holy shit. Holy shit. C'est bon, le cube de diamant, si je le pète, ça craint rien. Allez. Je reviendrai prendre les minerais plus tard. Ouh ! J'ai le cube de diams.
Je remonte. Je demande pas mon reste. Oh putain de merde. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est la classe, non? Un peu quand même. C'est pas un peu cool? Vous trouvez pas que c'est un peu cool quand même? J'ai le bloc de diamant. Oh, oh, oh. Je vais même pas regarder ce qu'il y avait dans le bouquin. Ok, je sais même pas ce que ça veut dire. Je regarderai la trad plus tard. Pour le moment, on va se dire au revoir. Voilà, sur cette première victoire, j'ai envie de dire, parce que bon. Il fallait mûrir. Allez, à la prochaine les amis. Ciao. Wouh!